Compte rendu de la 47e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 1er avril 2022 la 47e réunion du Conseil des ministres à présentiel à la cité de l'OUA. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Examen et adoption de textes. Le premier point du Conseil des ministres de ce jour, relatif à la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. Des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le président de la République a, au nom du peuple congolais, réitéré tous les encouragements à nos joueurs pour ce qu'ils ont donné jusqu'à atteindre les derniers niveaux des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, ainsi qu'à tous les staffs techniques qui les encadrent. En dépit des efforts remarquablement déployés, le rêve collectif de renouer avec la Coupe du Monde a été brisé par la victoire de la sélection marocaine sur le Léopard. Face à cette situation, le président de la République a appelé à une prise de conscience pour dresser les bilans objectifs, rectifier les erreurs et préparer un redéploiement plus efficace, en perspective de prochaines séances dont la Coupe d'Afrique des Nations de 2023. Cet encadrement doit aussi concerner toutes les autres disciplines sportives. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la journée congolaise à l'Expo Dubaï 2020. Saluant la participation de la République démocratique du Congo à cette grande exposition universelle, le président de la République a rappelé que la journée nationale de notre pays qu'il a présidée, sous le thème « Nous faisons battre le cœur de l'Afrique », a été marqué par la participation des différents opérateurs économiques et culturels sur la destination prometteuse que représente notre pays, la République démocratique du Congo. Précédée d'un grand forum sur les affaires, la journée nationale a été l'occasion de mettre en exergue nos opportunités, notamment dans le domaine des mines, des hydrocarbures, de l'agriculture, du tourisme, de l'environnement, aide la culture avec un point d'honneur sur notre biodiversité, faisant de nous pays solution aux problèmes climatiques auxquels est confrontée la planète. Le président de la République a tenu à remercier tous les acteurs publics et privés qui ont travaillé pour la réussite de notre participation à cet événement mondial. Il a engagé le gouvernement à capitaliser les acquis de cette expo afin de permettre à la nation d'en tirer pleinement profit. 3. De l'agenda de transformation agricole. Face à la nécessité d'intégrer dans la mise en œuvre de programmes agricoles lancés par le gouvernement les leçons des expériences antérieures afin d'arriver à une réelle transformation qui devra se matérialiser par des résultats en termes de quantité produite, de qualité et de prix pour nos populations consommatrices, le président de la République a rappelé son initiative relative à l'agenda de transformation agricole de la République démocratique du Congo qu'il a lancé en début d'année. Il a indiqué que le plan de travail et les budgets annuels pour la première phase a été élaboré à l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, Kalambo de Bukavu du 23 au 25 février dernier au cours d'un atelier de planification ayant regroupé toutes les parties prenantes. Et 8 zones de développement agricole ont été sélectionnées pour cette première phase qui met l'accent sur la relance de la filière sémencière et sur la finalisation de projets inscrits dans le programme volontaire agricole. Pour y parvenir, les ministres d'État, ministres du plan et du budget, ainsi que le ministre des Finances, de l'Agriculture et de la Pêche et l'Élevage, chacun ce qu'il concerne, sous la coordination du Premier ministre, ont été chargés de veiller au bon déroulement de ce programme.
Quatrième point de la communication du président de la République relatif à la problématique de la gestion durable du secteur forestier. Partons du constat que la gestion du secteur forestier congolais fait face à des défis structurels et organisationnels. Le président de la République a rappelé les engagements pris par notre pays à l'occasion de sa participation à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow en vue de stopper et renverser la déforestation d'ici 2030. Il a indiqué que ces engagements devraient se traduire par la prise de mesures urgentes pour préserver et améliorer la performance du secteur forestier. Après la publication du rapport de l'Inspection générale des finances sur la gestion de ces secteurs, le président de la République a encouragé la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, en collaboration avec les ministres sectoriels et les institutions impliquées dans la gouvernance climatique, a rédigé un rapport exhaustif sur l'état d'avancement du processus pays et a présenté dans la quinzaine en Conseil des ministres les défis et les prochaines étapes. Il a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour rassurer les partenaires publics et privés, soucieux d'investir dans les secteurs forestiers porteurs de bien-être pour nos populations. Cinquième point de la communication du président de la République. De la réalisation des engagements du projet du port en eau profonde de Banana. Le président de la République tient au respect strict de clauses de la convention de collaboration, conclue en 2018, amendée et consolidée les 11 décembre 2021, en vue de la matérialisation du projet du port en eau profonde de Banana. Du rapport des séances de travail que la délégation ministérielle congolaise a eu avec les responsables de la société Dubai Port World du 7 au 8 mars 2022 à Dubaï, pour convenir des actions à entreprendre à très court terme pour l'avancement du projet. Les ministres d'État, ministres en charge de l'urbanisme et habitat, et celui des infrastructures et travaux publics, les ministres de la Défense nationale, de l'Industrie, des Affaires foncières, ainsi que celui des hydrocarbures, ont été chargés de tout mettre en œuvre pour respecter les engagements mutuellement conclus. Ceci concerne notamment la fixation des échéanciers de paiement pour les opérations d'expropriation des riverains présents sur le site de Banana, la délocalisation et la relocalisation des éléments de la force navale se trouvant sur les sites dédiés pour le travaux de la phase 1 de la construction et de la mise en service, les arbitrages techniques et des avancées pour la réalisation des infrastructures routières, principalement sur l'axe Banana-Matadi. Le Premier ministre a été encouragé d'assurer que tous ces engagements se réalisent dans les délais. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a appelé l'ensemble du gouvernement à plus de travail et de célérité dans l'exécution du programme du gouvernement afin de rencontrer les préoccupations de notre peuple. Il a ensuite informé le membre du Conseil que pour accélérer le processus de mutualisation des opérations d'identification, des recensements et d'enrôlement de la population après la signature des différents décrets, il a réuni le 28 mars dernier toutes les parties prenantes, notamment la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national de l'identification de la population et l'Institut national de statistique, pour le démarrage effectif des opérations communes de cartographie électorale, lesquelles déboucheront sur un fichier général de la population utilisable par toutes les trois structures dans le respect des attributions et de l'indépendance des institutions ou structures. Conformément à la nouvelle feuille de route adoptée, le gouvernement rassure que toutes ces opérations se termineront avant les débuts des opérations électorales proprement dites et chaque citoyen disposera bel et bien de sa carte d'identité ainsi que de sa carte électorale. Sur un autre point, le Premier ministre a rappelé que depuis une semaine, les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la recherche scientifique et innovation technologique se poursuivent normalement à Bibois à Kinshasa, dans des perspectives qui permettent d'envisager à brève échéance une reprise apaisée des activités dans ces secteurs. La signature du protocole d'accord entre les parties est attendue incessamment entre le gouvernement et les banques syndicales.
Au chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour relatif aux points d'information, le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, représentant le vice-premier ministre, a présenté la synthèse de l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. Au cours de cette semaine, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par l'exaspération à la suite des énièmes attaques des M23 contre les localités congolaises dans le Nord Kivu, des commentaires et réactions en sens divers dans l'opinion consécutive à l'arrivée du pape du 2 au 5 juillet prochain, le vote par l'Assemblée nationale le 30 mars 2022 de la motion de défiance contre le ministre de l'économie, Jean-Marie Kanumba. Le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de la participation du vice-premier ministre avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant à la 8e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo qui s'est tenue du 28 au 30 mars 2022. Ces travaux, au cours desquels plusieurs secteurs de la sécurité ont été passés en revue, se sont clôturés par l'adoption des quelques recommandations et la signature d'un accord par les ministres de la Défense des deux pays en matière de coopération militaire. Le vice-ministre de l'Intérieur a aussi fait mention des opérations que mène la police dans la ville-province de Kinshasa pour finir avec le phénomène Kulumba dans certains points chauds. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation militaire opérationnelle. Il a indiqué que tous les efforts sont déployés pour, d'une part, mettre fin à l'activisme résiduel de forces négatives, ADF-MTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficiant de la complicité de certaines notabilités, et d'autre part, renforcer la sécurité dans nos frontières dans cette partie du pays. Entre-temps, les opérations militaires conjointes, forces armées de la République démocratique du Congo et forces de défense du peuple ougandais dans le Grand Nord et dans le sud de l'Ituri se poursuivent normalement. Déplorant la double attaque du M23 dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 dans les localités de Runyoni et Tchanzu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part du bilan qui fait état des 17 de nos militaires blessés et trois autres tombés sur le champ de l'honneur. Il s'agit du colonel Allégué, commandant du 34e 09e régiment venu en renfort du 34e 13e régiment du major Ewayo, commandant de la 34e 321e compagnie basée à Tchanzu, et d'un soldat. Le gouvernement a dit toute sa solidarité à ces militaires tombés sur le champ de l'honneur. Grâce aux renforts reçus et la contre-offensive lancée, les assaillants ont été délogés des Rwanguba et du pont qu'ils occupaient à Tchengerero. Les opérations se poursuivent sur la montagne Bukala vers Runyoni. Dans le même registre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a souligné qu'une défaillance a été constatée dans les dispositifs de nos forces armées à la suite de cette offensive du M23 au niveau du commandement du secteur opérationnel Nord Kivu, lequel commandement vient d'être relevé. Le gouvernement congolais a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances à la grande famille de Nations Unies, au gouvernement et aux familles de 8 casques bleus décédés à la suite de la disparition de l'hélicoptère de la MONUSCO survenue du mardi 29 mars 2022 au sud-est de Rutshuru dans le Nord Kivu après l'attaque du M23. Toutes les unités déployées dans les secteurs opérationnels de l'Ituri, dans les secteurs opérationnels de Sokola Ingrand Nord et Sokola de Nord Kivu restent en alerte et sont déterminées à en finir avec les auteurs de l'insécurité dans cette partie du pays. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation liée à la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Il a fait état de la poursuite de la baisse des cas de contamination par rapport à la semaine précédente.
Si le coronavirus continue à circuler dans notre pays, sa sévérité s'amenuise davantage et se traduit par une stabilisation du taux de létalité autour de 1,5%. Le gouvernement reste en alerte par rapport à l'évolution de la pandémie à l'échelle mondiale avec l'éventuelle apparition des variants inquiétants. D'où la recommandation permanente de la vigilance absolue et à la poursuite de la sensibilisation de la population pour les respects scrupuleux des gestes barrières en vue de se protéger et de se prémunir contre d'autres vagues éventuelles. À ce jour, 23 provinces font la vaccination en mode routine et 3 provinces viennent de finaliser leur micro-plan, sont Kourou, Maïndombe et Lomami. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a aussi fait état de l'évolution de la rougeole, dont les dernières données consolidées montrent que le cumul de cas est de 27 860, dont 523 décès, soit une létalité de 1,78%. Toutes les dispositions sont prises pour contenir la propagation de cette maladie. Pour finir sa communication, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil que 9 enfants cardiopathes ont été opérés à cœur ouvert du 22 au 28 mars 2022 grâce au partenariat entre le ministère de la Santé et la chaîne de l'espoir de Belgique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Situation récente sur le marché d'échange et celui de biens et services. Invitée à prendre la parole, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté la situation globale de la conjoncture économique qui demeure caractérisée par le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. Elle a indiqué que les rythmes de formation de prix a connu un léger ralentissement à la quatrième semaine du mois de mars. Toutefois, il demeure sous contrôle depuis le début de l'année. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 1,96%. Le marché de change demeure relativement stable sur les deux segments, consécutivement à la poursuite de la bonne coordination des politiques macroéconomiques. En rythme annuel, le franc congolais a connu une légère dépréciation de 0,4% sur le marché officiel contre une appréciation de 0,7% sur le marché parallèle. Si notre pays importe très peu de la Russie, la crise russo-ukrainienne pourrait affecter l'économie nationale à travers son impact sur les économies de nos principaux partenaires commerciaux. Face à ces risques externes, dont les renchérissements de cours du pétrole, combinés aux facteurs internes, notamment la hausse de prix de produits énergétiques et alimentaires, ainsi que l'impact de la hausse de la facture pétrolière sur le budget de l'État par rapport aux subventions sur les prix à la pompe, la gouverneure de la Banque centrale a recommandé le renforcement de la coordination des actions au niveau politique budgétaire et monétaire et le maintien du pacte de stabilité. De son côté, le gouvernement a lancé une sévère mise en garde aux spéculateurs qui tendent à tirer profit de la situation des crises à l'international. Toujours sur ce chapitre de points d'information, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur le chantier de projets particuliers, réalisés et en cours des réalisations pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. En ce qui concerne le projet Kinshasa Zéro Trou particulièrement, le taux de décaissement de fonds a atteint 65,96%. L'état physique d'exécution au 26 mars 2022 avoisine le 43% des travaux étant en cours. Sur la situation des ressortissants congolais venus de l'Ukraine et d'autres dossiers d'actualité, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait le point au Conseil de la situation de Congolais en Ukraine, réfugiés dans des pays européens. À ce jour, 600 compatriotes, en majorité des étudiants, sont en Pologne. 34 autres concitoyens sont en Roumanie. 6 étudiants sont en Hongrie. Environ 200 étudiants sont encore bloqués par les services d'immigration ukrainiens à la frontière avec la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, certains n'ayant plus de passeport. Il a indiqué que la cellule de crise mise en place par le gouvernement
et fonctionnelle pour apporter assistance aux compatriotes fuyant la guerre en Ukraine. Cette assistance du gouvernement, apportée essentiellement sur le logement, la distribution des ordinateurs portables et un fonds pour s'équiper après la perte des effets personnels pendant la fuite. Notre ambassade en Pologne est en négociation avec les autorités polonaises en vue d'obtenir une mesure de grâce pouvant permettre aux étudiants congolais venus des universités d'Ukraine à poursuivre leurs études en Pologne ou ailleurs en Europe. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a par ailleurs informé le membre du gouvernement du contenu de ses échanges avec l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo à la suite de sa dernière convocation. Les recours aux mécanismes de vérification existants a été envisagé, renforcé par une mission d'information conjointe sur le terrain. Il a conclu son propos en saluant l'adhésion de la République démocratique du Congo comme 7e membre de la communauté d'États d'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux économiques le mieux intégré du continent. Le Conseil a pris acte de ces rapports. À son tour, le ministre de l'Intégration régionale et francophonie a présenté au Conseil la feuille de route des activités à organiser durant la mandature du président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Ces activités prévues vont s'organiser autour du thème principal, éducation, santé et culture. Il a expliqué que ces thèmes énoncés par le président de la République lors de sa prise des fonctions cadrent bien avec l'esprit du nouveau paradigme que les chefs d'État ont voulu donner à cette organisation sous-régionale en tant qu'outil d'intégration régionale de l'Afrique centrale. Il s'agit de poser les bases pour que la région s'appuie sur la force transformatrice de l'éducation, des sciences, de la technologie et de la culture pour garantir la réussite de son développement harmonieux fondé dans l'esprit de l'intégration. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. À son tour, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a fait l'économie de sa note d'information portant sur 3 points principaux. Le premier a porté sur l'organisation du Conseil national du travail CNT, organe consultatif regroupant les représentants du gouvernement, ceux des employeurs ainsi que ceux des travailleurs se réunissant en principe 2 fois l'an. Cependant, le dernier a eu lieu en 2020, d'où la nécessité de mener ces réflexions pour faire aboutir le dossier les réformes en cours dans le but d'améliorer les conditions sociales de la population. Le second a concerné les rapports relatifs à l'organisation des élections syndicales afin de restaurer la paix sociale mise en mal dans le monde du travail suite au glissement de mandats des représentants syndicaux dans les entreprises ou établissements publics. Le troisième point porté sur le projet d'organisation de la fête du travail prévue le 1er mai prochain pour manifester la victoire de la lutte de travailleurs pour la valorisation de leurs conditions de travail longtemps bafouées par les employeurs. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Clôturant ces chapitres de points d'information, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a présenté aux membres du gouvernement son rapport des missions d'inspection effectuées du 5 au 8 février 2022 dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Il a indiqué que cette mission lui a permis de palper du doigt les réalités des centres d'insertion socio-professionnelle et de la production agricole de la jeunesse à travers ces 2 provinces, la nécessité de réhabiliter certains et une dotation en matériel didactique. Au cours de cette mission, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a indiqué avoir également eu des échanges fructueux avec les jeunes sur différentes thématiques, dont l'autonomisation pour le développement, la promotion des droits de l'homme et de la formation professionnelle, ainsi que la création des réseaux dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le Conseil a aussi pris acte de ce rapport. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres,
Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 46e réunion tenue le 25 mars 2022. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des deux projets de texte, deux projets de loi de ratification. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil deux projets de loi de ratification. En ce qui concerne le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord intergouvernemental entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, il a indiqué que cet accord signé le 27 mai 2021 vise à faciliter et accroître les échanges commerciaux entre les deux pays dans la région de Grand Lac, à faciliter la connectivité entre les deux peuples et à promouvoir la sécurité le long de la frontière commune. Quant au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans les domaines des investissements d'infrastructures entre le gouvernement et l'État du Qatar, il a précisé que cet accord a été signé le 10 février 2022 à Doha et prévoit non seulement le renforcement de capacités humaines et techniques en faveur de notre pays, mais aussi la promotion du développement des économies de deux pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a souligné que la ratification de ces accords constitue la condition indispensable et préalable à la mise en œuvre effective de projets qu'ils sous-tendent et dont notre population attend les retombées concrètes. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de loi. Commencé à 12h07, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h40. Je vous remercie.